On quitte ça. ហើយមុនមកដល់វិទ្យាជួនទៅក្រុមសាប្រញ្ញាអង្គព្រះសូមកែតម្រូវនៅពេលវេលាសម្រាប់សួរដេញដោសាក់សៃរូបនេះគឺភាគីមកខាងនឹងគឺមេធាវីគឺថាប្រញ្ញារួមទាំងថាមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមនឹងរ៉ោនេះមានពេលវេលាមួយថ្ងៃក្នុងការសួរសាក់សៃរូបនេះមិញនេះគឺយើងធ្វើមួយថ្ងៃហើយថែមមួយវគ្គសម្មាការទៀតតាមពិតតែមួយថ្ងៃទេសូមជ្រាបបាទផ្ដល់វិទ្យាជួនទៅសាប្រញ្ញាដើម្បីបន្តការតាំងសម្រុះដេញដោចំពោះសាក់សៃសូមជឿ Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais maintenant aborder un autre sujet qui est la structure et l'organisation du personnel au centre de sécurité de Krang Thachan. Lorsque vous êtes arrivé sur place, aux alentours de fin 75, au centre de Krang Thachan, est-ce que vous avez cessé de recevoir des instructions de votre ancien chef de l'unité de 50 membres, PIN, ou d'ancien chef de l'armée du district? Alors, une fois à Krang Thachan, qui donnait les ordres, les instructions à l'ensemble du personnel qui travaillait sur place? Qui veillait au respect de la discipline et qui présidait les réunions sur place? Quelles étaient les fonctions de Ta An et les fonctions de Peng? Est-ce que c'est lui qui dirigeait le centre de Krang Thachan? Et Ta Peng, quelle était sa fonction par rapport à Ta An? Hai Ta Peng nung kwat thvoe ay dae va thiep te nung Ta An. Kwat anupathien. En ce qui vous concerne, qui vous a ordonné de distribuer des courriers et donc d'être un messager? Quand vous êtes arrivé sur place avec les cinq autres gardes, à part Ta An et Ta Cheng, qui était le membre du comité du centre de sécurité? Vous avez parlé également d'un dénommé Cheng, C-H-E-N-G, dans votre procès-verbal d'audition D40-23, à la l'IRN en Khmer 00165353, en français 00490907-08. Et en anglais 00 22
3209. Et vous avez dit ceci. Question, comment s'appelait celui qui a dit cela pendant la réunion et qui était-il? Réponse, c'était le dénommé Han. Il était le directeur du centre de Krang Tachan, mais j'ai oublié son nom de famille. Question suivante, concernant la réunion portant sur l'exécution du plan, à part Han qui était directeur, y avait-il d'autres personnes? Réponse, à part Han, il y avait les dénommés Pen, P-E-N-H, et Cheng, C-H-E-N-G. Mais je ne connais pas non plus leur nom de famille. Est-ce que le nom de Cheng vous évoque une position particulière au centre de Krang Tachan ou non? លោកដឹងថាគាត់មានមុខតំណែងអីជាក់លាក់ទេនៅមន្ទីរសន្តិសុខក្រន្តចាន់ហ្នឹងបាទអត់ទេខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គាត់មុខរបរជំនាញខាងអីខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរគណៈគាត់ដឹងថាគាត់ផ្នែកទាំង 6 Très bien, est-ce que vous vous souvenez du nom de ces 6 membres du parti? À part ceux qu'on a déjà cités, Han, Pen et Chang, quels étaient les 3 autres? មួយទៀតឈ្មោះណែឈៀងមានពីរបាទឈៀងមានពីរ ហើយ ដូច ប្រធាន យុវជន ស្រុក Dans votre procès-verbal d'audition, le même procès-verbal, vous avez également mentionné un certain Meun. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose parmi les membres du parti? Comment savez-vous que ces 6 personnes ou 7 étaient membres du Parti communiste du Cambodge? Je vous demandais si ces personnes, ces 6 personnes, ont mentionné qu'ils étaient membres du Parti communiste du Kampuchea. Comment avez-vous su qu'ils étaient membres du Parti? D'accord, donc il y avait 6 membres du parti quand vous êtes arrivé avec votre groupe de 6, de 6 gardes de sécurité. Est-il correct de dire que votre unité de 6 gardes de sécurité était subordonnée à l'unité des 6 membres du parti? En tant que subordonné, est-ce que vous deviez en conséquence
obéir aux ordres venant des membres du parti, et en particulier du comité de direction du centre de Krang Ta Chan, ou bien est-ce que vous aviez le choix de ne pas faire ce qu'on vous demandait? Ma question était différente. C'était de savoir si vous étiez en tant que subordonné à l'unité des membres du parti, est-ce que vous deviez obéir aux instructions qu'on vous donnait ou accomplir les tâches qu'on vous disait de faire, par exemple vous, être messager. Aoi tu veux voir moi j'ai donc le log total, c'est que aoi tu veux tenir ça, je dois me traduire en chinois. Est-ce que vous saviez ce qui se passerait? Vous saviez à l'époque ce qui se passerait si vous ne respectiez pas la discipline ou les instructions qui étaient données par les dirigeants du centre de Krang Ta Chan? Est-ce qu'il y a eu des exemples dans le passé de gardes qui n'auraient pas obéi à la discipline, qui se seraient retrouvés détenus au sein du centre? Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cette ou de ces personnes qui ont été détenues pour cette raison? Vous ne vous souvenez plus de son nom, c'est ça? Ou pouvez-vous nous donner son nom révolutionnaire de l'époque? Est-ce que le nom de Ta Dam vous dit quelque chose? Je vais venir au détail des fonctions de cette unité de direction des membres du parti. Tout d'abord, concernant l'administration. Est-ce que les membres du parti étaient responsables de l'administration, et notamment de la tenue de registres, d'écrire des lettres, des rapports, ou de tenir des listes de prisonniers? Un de vos collègues, Sim, a dit dans son procès-verbal d'audition, D40/20, aux pages en Khmer 00165330, en français 00524319,
et en anglais 00 43 35 70. Sim a dit ceci, je cite, il y avait un Butch, le chef, qui était chargé du registre et des documents. Fin de citation. Vous avez cité tout à l'heure le nom d'un Butch qui travaillait au district. Est-ce que ce Butch avait également une fonction précise au sein de, du centre de Krang Thachan? Donc pour clarifier, vous avez cité un autre Dutch dans votre unité à vous, de garde de sécurité, et puis ce Dutch venant du district, est-ce qu'on les distinguait par des noms différents, pour ne pas les confondre à l'époque? Est-ce que celui qui venait du district savait lui-même taper à la machine? Est-ce qu'il tapait à la machine? Ou bien c'était l'autre Dutch qui était dactylographe uniquement? Donc, si je comprends bien, il n'y avait que le petit Dutch, celui de votre unité qui était dactylographe. C'est ça que vous nous dites? Vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition E319.1.33 à la question 56 qui était ces lettres, donc on parle des lettres que vous apportiez au district en tant que messager. Ces lettres étaient sans doute des rapports sur les prisonniers ou des aveux. Est-ce correct? Vous avez dit oui, tout à fait correct. Fin de citation. Donc, votre réponse semble indiquer que vous saviez tout de même un petit peu de quoi étaient faits les courriers que vous alliez transporter au district. Comment est-ce que vous saviez qu'il y avait des rapports sur les prisonniers ou des aveux dans les enveloppes que vous transportiez? La deuxième fonction sur laquelle je voudrais m'arrêter, concernant toujours ces six membres du parti, c'est les tâches que ces membres accomplissaient concernant l'interrogatoire des prisonniers. Je vais lire ce que vous avez dit dans votre premier procès-verbal d'audition D40-23, en Khmer à la page 00165354, en français 00490908, et en anglais 00223210. Je cite.
La question, combien étaient ceux qui travaillaient dans ce centre, les chefs et leurs inférieurs? Réponse, au total, nous étions 12. Question, quels étaient leurs noms? Votre réponse, c'était An, Pen, Cheng, Ching, Men, Chun, Duch, Seng, Sim, Uk, Touch, et le dernier, c'était moi-même. Question suivante. Dans ce centre, ces employés ont-ils été répartis en sections pour s'occuper du travail? Vous avez répondu, oui, il y avait la section chargée d'interrogatoire et celle chargée de garde. Question, qui appartenait à la section chargée des interrogatoires? C'était, réponse, c'était les dénommés An, Cheng et Peng. Donc vous avez cité trois noms, An, Cheng et Peng, parmi les six qui étaient membres du parti. Est-ce que les autres membres du parti jouaient également un rôle pendant les interrogatoires ou ne jouaient-ils aucun rôle? Dans le Donc les six membres du parti se relayaient pour interroger les prisonniers. Est-ce que c'est bien correct? Est-ce que pendant les interrogatoires, l'unité de garde de sécurité avait un rôle à jouer, par exemple, pour garder le lieu d'interrogatoire ou pour ramener les prisonniers au lieu d'interrogatoire? Je voudrais maintenant venir au rôle de cette unité de direction avec ces six membres du parti concernant l'exécution des prisonniers. Et je vais lire deux extraits de vos procès-verbaux d'audition. Le premier, D40-23, à la page en Khmer 00165355. En français, 00490909 et en anglais, 00223211. La question est la suivante. Ceux appartenant à la section chargée d'exécution des prisonniers, saviez-vous d'où ils étaient venus? Votre réponse. Cette section était composée de ces six membres du parti. Question. Comment s'appelaient-ils ces six membres du parti? Votre réponse. Ils s'appelaient An, Pen, Cheng, Ching, Men et Chun. Fin de citation. Et dans votre deuxième procès verbal d'audition, il y a une réponse légèrement différente que je vais lire. C'est le procès verbal E319.1.33. Question 193. Est-ce que seul Korn, K-H-O-R-N, et Ross, R-O-S, était bourreau durant les exécutions à votre connaissance? Réponse 193. En tout cas, cinq membres du parti étaient bourreaux, à savoir Ching, C-H-H-E-A-N-G, Pen, P-E-N-H, Men, M-O-E-U-N, Ross, R-O-S, et Korn, K-H-O-R-N.
Question 196. Comment se fait-il que vous sachiez que Pen, Ching, Roth, Korn et Meun étaient des exécuteurs? Réponse 196. Parce qu'il n'y avait qu'eux comme personnel dans le centre de détention. Et puis ça se termine sur cette curieuse réponse. Avez-vous entendu dire que ces cinq hommes exécutaient des gens? Non. Donc je voudrais que vous précisiez qui était chargé de l'exécution des prisonniers. Est-ce que c'était l'ensemble de l'unité de direction composée de 6 membres du parti plus 2 personnes dénommées Korn et Ross, ou bien s'agissait-il précisément de personne individuelle que vous pouvez citer? Un quelconque moment durant votre travail à Krangtachan, certains de vos collègues parmi l'équipe de 6 gardes de sécurité ont reçu l'ordre de la part de Ta'an ou de Ta'pen de jouer un rôle dans l'exécution des prisonniers? Très bien, d'ailleurs je ne vous accusais de rien et je sais que vous étiez trop jeune. Mais par rapport aux 5 autres personnes composant votre groupe de gardes de sécurité, est-ce que certains ont reçu des ordres de participer à l'exécution des prisonniers? Vous avez mentionné que vous étiez le plus jeune du groupe et qu'on ne vous avait pas demandé à vous de participer aux exécutions. Est-ce qu'il y avait d'autres types de tâches qu'on ne vous donnait pas à cause de votre âge, que ce soit en matière de surveillance des prisonniers ou d'autres tâches encore au centre de sécurité? Je vais essayer de savoir maintenant ce que devait faire votre unité de garde de sécurité. Puisqu'ils étaient des subordonnés soumis à l'autorité de l'unité de direction, donc des membres du parti. Est-ce que Ta'an ou les autres membres du comité ont demandé à des membres de votre unité subordonnée de surveiller les prisonniers qui travaillaient à l'extérieur et de veiller à ce qu'aucun ne s'échappe? Est-ce qu'on a demandé également à certains membres de votre unité de surveiller les prisonniers dans les maisons de détention? ចាប់ដើមគឺធ្វើការគេបញ្ជូនខ្ញុំមកក្រៅឲ្យយាមខាងក្រៅបាទ
Je vais revenir là-dessus probablement demain. Est-ce que on a demandé aux membres de votre équipe, de votre unité de garde, d'amener les nouveaux prisonniers qui arrivaient à Krang Tachan au niveau de l'enceinte extérieure? Donc, est-ce qu'on a demandé à votre unité de les amener vers les maisons de détention afin que ces prisonniers soient entravés? Est-ce qu'on a demandé à certains membres de votre unité, toujours unité subordonnée, et je ne parle pas de vous, mais des autres membres, est-ce qu'on vous a demandé d'amener des prisonniers vers le lieu d'interrogatoire et de les ramener ensuite après l'interrogatoire? Qui le faisait alors? Qui amenait les prisonniers vers le lieu d'interrogatoire? Et qui les ramenait ensuite, après l'interrogatoire? Est-ce que c'était les membres de l'unité de direction, les membres de garde, ou bien d'autres prisonniers qui étaient chargés de le faire? Donc en résumé, je comprends ce que vous nous avez dit. En ce qui concerne l'administration, l'interrogatoire des prisonniers et l'exécution des prisonniers, ce n'était que l'unité de direction qui s'occupait de toutes ces tâches, pendant que les gardes de sécurité ne faisaient presque rien. Est-ce que c'est correct? Quelques questions concernant des personnes que, dans vos procès-verbaux d'audition, vous avez associées au centre de Krang Tachan. Je vais commencer par Dutch et Pi. Voilà ce que vous avez dit dans votre premier procès-verbal D40-23. C'est la toute dernière question du procès-verbal, donc je ne vais pas citer les IRN. Pendant la période où vous travailliez dans ce centre, avez-vous jamais vu de hauts dirigeants quelconques qui sont allés superviser ce centre? Réponse, il n'y avait que les dénommés Pi et Dutch qui travaillaient dans ce district de Tram Kak, qui y allaient souvent en moto ou en voiture. Fin de citation. Vous avez confirmé tout à l'heure que ces deux mêmes personnes venaient au centre de sécurité. Vous avez mentionné que Dutch avait un rôle, si je ne me trompe pas, comme chef de la jeunesse au district. Est-ce que Dutch logeait sur place à Krang Tachan, grand Dutch, ou bien est-ce qu'il y venait par période? Votre collègue Petit Dutch à l'audience et dans son procès verbal d'audition D232-93, la réponse 4, a dit: je me souviens que le chef de la prison de Krang Tachan s'appelait Anne et son sous-chef s'appelait Dutch. Fin de citation.
Est-ce que vous êtes en désaccord avec le petit Dutch concernant le rôle du grand Dutch comme adjoint de Ta'an à Krang Ta'chan? À votre connaissance et selon ce que vous avez pu observer, pourquoi Dutch Tom, donc le grand Dutch, venait-il à Krang Ta'chan? Était-ce pour superviser, contrôler, observer, mener des enquêtes ou gérer le volet administratif du centre ou toute autre raison? Est-ce que vous avez une idée précise de la raison pour laquelle il venait sur place? Est-ce que vous avez vu le grand Dutch venir à Krang Ta'chan jusqu'à fin 78 ou début 1979? Mau dạ về chúng cá mặc khai những cái màu pi đòn bảy đòn cho nó bà nòng còn bộ nó cho tầm bảy nó thành màu nhức nhỏ bà. Et donc vous suggérez qu'il est venu jusqu'à la fin de la période durant laquelle le centre de sécurité a fonctionné. Trong mình chạm nên thì son sọc nâng hai chẳng dễ thành chẳng rứa mày quạt máu pe chết chạm hai thì chẳng rứa bà nông đấy nhóm mình bàn đằng thả quạt máu miền phản cãi với việc vua thả quạt nông chất tập phẩm bay nắng khơi màu nhức nhỏ bà là hố đỏ sẽ nặng nâu đang mà giúp đi giúp miền này. Je vais vous lire un extrait, non pas tout de suite, mais je vais vous dire qu'il y a au dossier un procès-verbal d'audition de certains Yip Dutch, alias Dutch, le grand Dutch, qui porte la référence E3-4627. Et à la page en Khmer 0016-3492, en français 00651258 et en anglais 00223475. Le grand Dutch dit qu'il est allé évaluer la situation. Mr. President, thank you. I'm not sure if it has been established yet that the witness the prosecution is referring to, who is, as we know, dead, is in fact the same person as Big Duik. So, unless the prosecution can convince me otherwise, I think I should object to this question. Il va être difficile avec le témoin de l'établir précisément. Est-ce que le nom de Yip Dutch vous dit quelque chose par rapport à ce grand Dutch? Est-ce que c'est la même personne ou des personnes différentes? Dutch no krang ka chan nong pi ba Dutch thom muoy Dutch toch muoy ba. Mỗi đôi hào sở rạt, mỗi một đôi chân đỏ, bà. Je voudrais vous demander, monsieur le témoin, si vous avez vu personnellement les acteurs Kim Nova et Nop Nen à Krang Ta'chan, ou si vous en avez entendu parler. Bah, non.
Une autre question. Concerne Tapi. Vous l'avez cité tout à l'heure comme venant du district de Tramkak pour se rendre au centre de sécurité de Kramtachan. Quelles étaient, à votre connaissance, les fonctions, les rôles ou les relations de Tapi avec le centre de Kramtachan? Quelles fonctions occupait-il au niveau du district? Est-il possible qu'il avait des fonctions en matière de sécurité ou bien tout à l'heure, je vous ai cité des passages de vos éditions où vous avez parlé d'un vieux K-H-O-R-N et T-A-R-O-S qui exécutait les gens. Et vous avez dit que vous n'avez jamais entendu parler de ces personnes. Est-ce que vous confirmez effectivement que ces gens-là ne venaient pas à Kramtachan pour exécuter des gens? Donc vous nous dites que personne ne venait du district pour aider à l'exécution des gens à votre connaissance, et que c'est donc uniquement les six membres du parti qui s'occupaient de cela au centre de Kramtachan. J'en viens maintenant à votre rôle comme messager du centre de Kramtachan en relation avec le district de Kramtachan. Est-ce que vous étiez le seul à Kramtachan à vous rendre au district pour remettre des enveloppes du centre de Kramtachan, ou bien y avait-il d'autres personnes? Est-ce que Moon se rendait lui-même à bicyclette au bureau du district à Angroka? À part vous-même et Meun, est-ce que vous savez si les cadres du parti qui travaillaient au district, comme les grands douches ou Tapi, amenaient des courriers avec eux lorsqu'ils se rendaient à Kramtachan? Est-ce que vous avez vu remettre des courriers à la direction à Ta'an lorsqu'ils venaient? Est-ce qu'il est arrivé que ce soit Ta'an, Ta'douch, Ta'pen,
ou Cheng qui vont remettre des enveloppes en main propre pour aller les porter au district d'Angoka. Quand vous portiez les messages que la direction vous remettait, est-ce que vous les apportiez directement au siège du district de Tramkak à Angroka et vous les remettiez en main propre au chef du district? Ou bien vous avez parlé également d'un bureau du commerce, est-ce que vous les remettiez plus souvent au bureau du commerce de Angroka? នាំយកសម្បត្តិបកគោសម្បត្តិទៅមន្ទីរពាណិជ្ជនៅអង្គការនឹងញឹកញាប់ជាងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទជួនកាលមួយថ្ងៃម្ដងជួនកាល 3 ថ្ងៃម្ដងហើយបកគោមិនផ្ទាល់ដៃសេវាស្រុកទេគឺមាននេសាស្រុកផ្ទាល់របស់គេតែម្ដងបាទបកគោរបស់គេ Est-ce que le bureau du commerce qui était situé à Angroka se trouvait dans les mêmes bâtiments que le siège du district de Tramkak? Ou bien y avait-il une distance entre les deux, bureaux? Quand nous sommes dans le bureau du commerce, nous sommes dans le bureau du commerce. Et quand on parle de l'endroit Angroka, pouvez-vous nous dire sur quelle commune ou sur quelle route ou au croisement de quelle commune se trouvait cet endroit? អង្គរការស្ថិតនៅជាប់ស្ពាននឹងផ្សារសពថ្ងៃបាទស្ថិតនៅឃុំតាពាំងធំខាងត្បូង. Est-ce que donc cet endroit se trouvait largement à l'ouest d'Amtasom? Et si oui, à combien de kilomètres environ? Pipsa Amtasom, Topsa Angroka, 10 kilomètres. À part les lettres que vous portiez au district, est-ce que vous avez porté des lettres ailleurs, que ce soit dans certaines communes ou coopératives ou d'autres centres de sécurité situés dans le district de Tramkak? Vous avez mentionné dans vos PV d'audition la prison d'Angroka. Je vais y revenir tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez nous dire si le lieu de détention d'Angroka se trouvait loin du bureau du commerce d'Angroka et donc loin du marché? Qui est-ce que l'on a
Et est-ce que cette maison de détention était proche du bureau du commerce ou du siège du district? À peu près à quelle distance se trouvait-il? Se trouvait-elle de ces deux autres endroits? Tout à l'heure, vous nous avez dit que si vous ouvriez une lettre, une enveloppe, vous seriez exécuté. C'est également ce que vous avez dit dans votre procès verbal E319.1.33. À la réponse 47, vous avez dit « Je n'ai jamais lu parce qu'il m'avait prévenu que si j'osais ouvrir une lettre, je devais être exécuté. » Fin de citation. Qui vous a dit que si vous ouvriez une lettre, vous seriez exécuté? Est-ce que vous pensez que c'était une vraie menace ou c'était une menace en l'air? Je vais vous lire un autre extrait de cette même, ce même procès verbal d'audition, E319.1.33. Question 34. Est-ce que les lettres que vous portiez étaient sous enveloppe ou cachetées? Réponse, les lettres étaient tapées à la machine et mises sous enveloppe, mais n'étaient pas cachetées. Les enveloppes étaient fermées à la colle. Tantôt il y avait une lettre, tantôt deux, tantôt trois lettres dans une seule enveloppe. Question, comment se fait-il que vous sachiez que ces lettres étaient tapées à la machine? Réponse 37, parce qu'il y avait une machine à écrire au centre de sécurité de Krang Tat Chan. Mais je n'ai pas lu ces lettres. J'ai seulement remarqué qu'on les dactylographiait dans le bureau. Ensuite, ils les mettaient dans des enveloppes. Question. Mais qu'est-ce qui les dactylographie? Réponse. Au début, le chef Han rédigeait les lettres à la main. Ensuite, il les donnait au dactylographe pour qu'il les tape. Avez-vous vu de vos propres yeux Han rédiger ces lettres? Oui. J'ai vu de mes propres yeux Han écrire ces lettres dans son bureau. J'étais à 6 ou 7 mètres de son bureau, mais je n'avais pas le droit de m'approcher de son lieu de travail. Réponse 45. Non, je n'en ai pas lu une lettre, ni d'ailleurs les rapports qui étaient également interdits de lecture. Fin de citation. Tout à l'heure, vous avez suggéré que vous étiez garde seulement vers l'extérieur, mais dans ce passage, on comprend que vous avez remarqué qu'on dactylographiait les lettres que vous deviez porter dans le bureau, que le chef Han les rédigeait à la main, qu'il les donnait ensuite au dactylographe. Et vous avez vu tout cela de vos propres yeux. Par ailleurs, vous parlez de lettres et de rapports. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur ce que vous avez pu voir de ce bureau où les courriers étaient écrits à la main par Ta'an et tapés à la machine? Tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était par le petit doute. Vous étiez à 6-7 mètres. Qu'est-ce que vous voyez quand vous étiez là? អត់បន្តិចតាក់ទងនឹងចំណុចទាំងអស់នេះ
bạn không có lấy nụ dương mình ai chết bạn vì bố dương mình kia mình ai chết kia tại mình đó hãy mình giang tiết bằng ôi chung bình bà mơ khơi bị cao bằng ôi tàu bà khơi như xe hỏi to khơi như to bà Est-ce que Dutch Sarat, le petit Dutch, passait beaucoup de temps à taper à la machine dans cette maison, ce bureau de Ta'an? Et donc, ça veut dire combien de temps le matin? Quelques minutes ou c'était presque toute la matinée? À votre avis, c'était combien de temps? Dans votre procès-verbal d'audition E319.1.33, à la question 36, est-ce qu'il y avait quelque chose d'écrit sur les enveloppes? Vous avez répondu, il y avait seulement le nom des destinataires. Par exemple, à l'attention de Ta San. En général, ces lettres étaient adressées à Ta San. Est-ce que pendant une période, vous avez également convoyé est-ce qu'à une certaine période, vous avez également, avant, envoyé les courriers à Ta San? Est-ce que vous avez également envoyé des lettres à Ta Chim, à Ta Kit ou à Ta Chai? Est-ce que le nom sur l'enveloppe était écrit à la machine ou bien était-il écrit à la main? Et d'après ce que vous avez pu voir par la fenêtre, qui écrivait sur les enveloppes? Est-ce que c'était Ta'an ou c'était Petit Dutch? Ta'an, c'est Ta'an. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous étiez familier avec l'écriture de Ta'an? Est-ce que vous pourriez reconnaître son écriture? Non, pas de bonne école, mais pas de bonne école. Eh bien, Monsieur le Président, je crois qu'on va s'arrêter là, si possible, parce que je voudrais montrer des documents maintenant aux témoins pour les rafraîchir peut-être. Merci. 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 សកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី4ខែមីនាឆ្នាំ2015ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីវ៉ាន់សឿនសូមភិក្ខីជ្រាបនិងអញ្ជើញចូលរួមតាមបាក់ពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំរះសូមអរគុណចំពោះលោកវ៉ាន់សឿនដំណើរការសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកក្នុងនាមជាសាក្សីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញ លោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅ
hay pe ni lok aich bul tralop te kalaing dai lok thnak neu vinh ban hai montrey ratthaba talaka sanrom ruol chmuoy ning bokkalak angkapheap kompia sak sai ning neak chmnieng knong ka chun lok ban tuen bul tralop te kan kalaing dai kot thnak neu vinh choh ning oy anchueng kot tralop mo chou ruom samnaka neu knong botuk samnaka ni vinh neu thngai thai ban mun mong 9 prak hay ang jamreh ko koh anchueng lok mom ratthia che mitavi praksa sak sai mok bonto chou ruom praksa sak sai ban tuen knong long pel សាក់សៃរំនេះមកផ្ដល់តែខៃកម្មដែលចំពោះមុខអង្គជំរះនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែរប្រកបឲ្យអន្តរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតតាំងពីរូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអបតកវិញចុះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនប្រកាសត្រឡប់មកចូលរួមសម្មនាការនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 សម្រាប់ចុះ